Bonjour mes amis, café du matin. Alors aujourd'hui c'est café au-dessus du moulin. Alors je me trouve, attendez un petit coup, je tourne parce qu'après on me dit oh, tu fais Mercedes. Alors là je suis, on ne le voit pas le petit logo, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre un peu de la hauteur avec toutes les annonces que nous avons eues hier soir. On avait un petit peu le moral dans les chaussettes. Alors, on va se reprendre et c'est ici qu'on va le faire. Alors, je vais vous montrer où on se situait, où on était hier matin. Alors, je vais tourner. Alors, on y va. Ça veut bien. Continuez. Alors, attendez, hein, ça ne veut pas se mettre. Alors, hier matin, alors, je vais aller doucement parce que c'est tellement joli. Et j'ai tendance à aller trop vite. Alors, vous voyez la digue, vous voyez en contrebas, on voit le toit du moulin. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pris beaucoup de hauteur. Hein. Et hier, on était... Alors, vous voyez la digue, il y a une petite pointe, juste la petite plage d'en face. Donc hier, on se trouvait sur cette plage. Et aujourd'hui, donc, je suis montée dans un... J'ai pris un petit chemin. Et regardez cette vue exceptionnelle que l'on a. Alors, je ne vais pas trop bouger. Je suis très prudente. Regardez. C'est beau. On devine. Alors, quand vous remontez là, alors vous voyez la digue. Vous allez remonter un petit peu. On voit un petit peu des effets dans la rivière. C'est la source d'Ardennes que l'on peut voir qui sort juste à ce niveau-là. Alors, on la voit. Hein. D'ailleurs, la source d'Ardennes... Mon gîte, je lui ai donné ce nom, le gîte d'Ardennes. Voilà, parce que cette source fait partie de notre propriété. Regardez. Où je suis. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai décidé, ben, on va un petit peu remonter le moral à tout le monde. Et qu'est-ce qui peut faire du bien? C'est quand on pense, c'est de penser à nos prochaines vacances, même si elles sont un petit peu loin, c'est pas grave, on va quand même y penser. Alors, on aura tous besoin, bien sûr, de changer d'air et de lieu. On peut se trouver, même ici, regardez, dans le plus bel endroit. Il y a tellement de beaux endroits. Dans le plus bel endroit. Mais il arrive un moment où on a besoin de voir d'autres personnes et de voir d'autres endroits. On a besoin de notre liberté. Et moi, je vous propose de trouver, ben, pour vos prochaines vacances, de trouver cette liberté eh ben, chez nous, en Lozère. Je vais monter un peu sur le Causse, regardez, un petit peu sur le plateau. Alors c'est vrai qu'on a quand même un département qui est très diversifié. Donc vous avez bien sûr les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte, vous avez les Causses, Causses j'en avais parlé, du Causse-Méjean, de ce côté, là c'est le Causse-Méjean. Si je me tourne, je vais m'avancer, on va aller du côté, de l'autre côté, c'est bien sûr... Le Causse Sauveterre, voilà. Mais vous avez aussi la Margeride, vous avez l'Aubrac, la vallée du Lot, les Cévennes, le Mont Lozère. Enfin, vous voyez, la Lozère, vous avez un choix de très varié. Alors, donc, pourquoi pas choisir la Lozère pour vos prochaines vacances? Alors, ne vous y trompez pas. La Lozère, c'est aussi la montagne. Hein. On a une altitude moyenne à peu près de 2000 mètres. Voilà. Alors, pour vos vacances d'été, vous avez le choix. Rien que dans notre petit village de la Malène, vous avez plusieurs hôtels, vous avez des chambres d'hôtes, vous avez des gîtes, vous pouvez vous restaurer. Vous avez aussi, après, un petit peu dans les gorges, des villages vacances. Enfin, dans toute la Lozère, hein. Je veux dire, on a quand même de quoi vous accueillir, des campings, des aires naturelles. Vous voyez, vous avez un panel, vous pouvez choisir. Il y en a pour tout le monde. Je me rapproche un petit peu, pas trop. Je veux être prudente. Mais alors, voilà. Parce que vous savez. Hop, regardez. Bon, l'appel, c'est un peu moche. Mais en ce moment, il faut bien... On a du travail, même si on n'est pas ouvert, on prépare quand même, on fait comme si on allait faire la saison. Et puis, on verra bien.
Voilà. Alors, notre territoire, il est quand même privilégié par la pratique de sports de pleine nature. Hein. Alors, que ce soit donc sur l'eau comme ici, sur l'eau, dans l'eau, sous terre, parce qu'on a un monde souterrain qui est merveilleux, mais je vous en parlerai, et aussi au point de vue randonnée. Voilà, on a la chance, on a beaucoup d'artisans en Lozère qui sont passionnés. On a une gastronomie du terroir. Enfin, vous voyez, tout pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors écoutez, ne vous posez plus de questions. Les vacances cette année, pour vous, c'est la Lozère. Voilà, la Lozère, on est situé au cœur du Massif central, à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Montpellier, pas très loin non plus de Toulouse, comme quoi, vous voyez, c'est facile de venir chez nous. Voilà, bah écoutez, c'était juste mon petit tour de chauffe aujourd'hui. Oh, regardez, le château, le manoir, le soleil arrive au manoir, on ne s'en lasse jamais. Le chemin en face de Tenko, les lacets de la Malène, voyez. Ça impressionne toujours ces lacets qui vous permet d'aller sur le Cosmejan, de traverser le Cosmejan, de vous arrêter, de faire des visites. Vous pouvez aller voir la Vénarmand, la Femme Cossonarde, enfin, je vous en avais déjà un petit peu parlé, le Moulin de la Bourrie, et redescendre sur Meruès, faire toutes les gorges de la Jonte. C'est aussi très très particulier, c'est très joli. Les gorges de la Jonte ne ressemblent pas aux gorges du Tarn, elles sont aussi belle. Voilà, donc écoutez, je vous ai fait mon petit speech du jour. Je vous souhaite une belle journée, un bisou particulier aux soignants, à tous les gens qui travaillent, et écoutez, gardons le moral et surtout restez chez vous. Ça y est, le soleil arrive enfin. Regardez, je vous laisse encore voir cette vue quand même des gorges, exceptionnelle. Alors, cette année, les vacances, les amis, c'est en Lozère. La Lozère, osez la Lozère, on le dit. La Lozère, naturellement. Voilà, profitez et venez nous voir. On a besoin de vous. À bientôt.